Chaque année, il y a une annuelle liste que le Council publiait, les gazettes, qui ben, le médecin capable de pratiquer. Et cette annuelle liste-là, vous obligez de comply avec une section dans la loi, que vous obligez de faire Continuous Professional Development. C'est-à-dire, il y a un petit cours qui est obligé de faire, vous obligez d'accumuler 12 points. Et ça, le médecin-là, pas de faire de CPD, pas de comply avec cette section de la loi-là. Ils n'ont pas accumulé de 12 points. Donc, je ne vais pas trouver dans la liste publiée une personne qui est capable de pratiquer. Dans 177 personnes qui ne sont pas compliant avec CPD points, je ne vais pas vous gagner droit. Ça nous finit de notifier. Vous êtes qu'ils n'ont pas pratiquer. Fini, écrit tout ça, mon médecin-là. Ensuite, nous finissons et commençons à écrire mon institution. Nous n'écrivons pas, exemple, notre ministère de la Santé, nous n'informons pas qu'il y a un médecin qui va faire un travail. Non, il y a diverses raisons. Il y a je vais notifier le council seulement qui fait, si j'arrive, je vais pas pratiquer. Alors, je t'encode dans la liste et possiblement, c'est une personne qui est vieux, pas peut pratiquer la médecine, à cause de ça, je vais pas compliant avec CPD points. Ou bien, il y a une personne qui est abroad, ou bien, il y a un médecin capable, il y a un problème maladie, une raison de maladie, il n'est pas compliant avec CPD points. Ou bien, il y a un médecin qui n'a pas fait l'étude abroad, que je ne pas informer le council. Alors, je vais pas compliant avec ça 12 points.